Tu voulais travailler, mais ton zizi ne veut pas. Tu voulais te reposer, mais ton zizi ne veut pas. Tu voulais aller danser, mais ton zizi ne veut pas. Tu voulais te chiter. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je vais répondre aux questions pour l'interview du déconfiné. Donc, écoutez, concernant la recette que je conseillerais, j'ai pas de recette en particulier parce qu'en fait, c'est pas moi qui cuisine ici, hein, donc autant rendre à César ce qui est à César. C'est pas que je sais pas cuisiner, attention, hein, c'est juste que je vais pas faire de l'ombre tout simplement à madame. Mais j'ai bien une petite recette à vous proposer quand même, c'est la recette de la GD. La recette de la GD, c'est très simple. D'abord, vous prenez le melon, Donc, très simple hein, au niveau des ingrédients. Ensuite, il suffit de prendre des bâtonnets fusés qu'on trouve en glace. Hein, l'été, en plus, là, c'est bientôt, donc c'est facile à trouver. Ensuite, vous prenez quelques têtes brûlées, les bonbons, hein, les enfants raffolent. Vous mélangez tout ça avec une pelle jaune. Très important la couleur, une pelle jaune. Voilà. Et vous obtenez une équipe de bras cassés. Concernant la série, moi ce sera Stranger Things, donc c'est une série que j'apprécie beaucoup, qui se déroule dans les années 80, donc bon, moi j'ai pas connu parce que je suis fin d'année 90, mais ça me permet un peu de me replonger dans cette époque, et puis bon voilà, ça parle de monstres, il y a des bons effets spéciaux, il y a de tout dedans, de l'amour, de l'humour, de l'action, voilà quoi. Donc je vous le conseille hein, pour ceux qui l'ont pas vu, à part ceux qui sont un peu sensibles à tout ce qui est monstre et tout ça, mais voilà, super série. Alors concernant le livre que je pouvais vous conseiller, c'est un très bon livre qui m'a aidé, c'est Le pouvoir du pardon radical de Colin Tipping. Donc franchement, c'est un très bel ouvrage, ça parle de... Ah, attendez, excusez-moi, j'ai un appel. Assistant gestionnaire dédié, j'écoute. Oui. D'accord, oui. Ariane, d'accord. Écoutez, je peux vous aider, bien entendu. Alors... Et voilà, c'est bon. Excusez-moi, je reprends, j'avais une fusée à faire décoller. Je disais, oui, c'est Le pouvoir du pardon radical. Donc, écoutez, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, effectivement. C'est un livre que je vous recommande, qui permet vraiment d'avoir un certain lâcher-prise et puis de se concentrer sur l'essentiel et de surtout voir tout ce qui arrive dans la vie comme étant, entre guillemets, quelque chose qui est bon pour vous. Voilà. Encore un rancement réussi, ça c'est sûr. Et pour la tenue, très simple. T-shirt, short, espadrille, voilà. Le haut peut varier aussi. Mais le bas aussi, le haut, enfin voilà, ça change tous les jours, quoi. Hein. Enfin, le plus approprié pour la GD, ça reste quand même celui-là. Alors, ma musique préférée. Écoutez, j'aime tellement la musique que j'en ai pas qu'une seule. Allez, je vous laisse regarder ça. Toi qui peines au bureau, pense à Mayotte, voir Acapulco, où je sirote. Ton info, un petit mojito. Toi qui peines à l'usine, pense à Cuba et ses plages divines, où je m'envoie pendant que tu trimes un petit cohiba. Est-ce que tu m'entends, toi qui peines au bureau? Hey, si tu m'entends, monte un peu la radio. Putain Alex, ça me fait trop plaisir que tu sois venu quoi. T'es un apéro, c'est génial quoi. Ah tu sais quoi, je t'ai préparé une petite chanson. Ah ouais, je suis chaud patate là. Ah tu vas être comme une couille dans un sluggy, je te jure. Allez tiens.
travailler, mais ton zizi ne veut pas. Tu voulais te reposer, mais ton zizi ne veut pas. Tu voulais aller danser, mais ton zizi ne veut pas. Tu voulais te sustenter, mais ton zizi ne veut pas. Couper.